Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va très bien. On est samedi, le 8 juillet. C'est ça, excuse, parce que Nick est arrivé. Nick était parti chez son ami depuis 2 jours. Fait qu'il est arrivé pour nous chercher Lucas parce qu'il s'en allait s'occuper de Fidji. Fait que là, c'est pour ça. Je pense que je vous dis qu'on était samedi le 8 juillet, fin de semaine, que la fête à Lucas est passée. Kat a super bien dormi. Elle s'est réveillée une ou deux fois, mais tu sais, pas hyper active, elle se rendormait, puis c'était correct. Puis on retrouve vraiment notre Katia. Elle avait uriné un matin, qu'elle avait fait déborder son lit était mouillé. Elle a super bien mangé, elle a mangé toutes ses céréales, bien pris ses médicaments. Hier, j'ai monté sa dose de l'amygdale, là. La motrigine, je l'ai montée hier. Elle est à 4, comprimée. Dans 2 semaines, je monte le matin aussi à 4. Ça va être 4-4. Puis normalement, sa dernière dose, elle serait à sa dose maximale. Puis après, on va pouvoir penser à enlever le Vimpat. La courbamide, je pense que ça s'appelle aussi. On va penser à enlever pour voir si vraiment ça contrôle parfaitement là, avec l'amygdale. Fait que ça, à date, en tout cas, notre cat, ça a été éveillée encore. Elle a pris une compote de pommes aussi là, en collation avec en lui donnant la cuillère. À date, ça va super bien. On retrouve notre petite cata d'amour. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait. Comme celle-là, ben là, je fais du lavage, du ramassage un petit peu. Mais c'est parce que ça, elle se posait avec Lucas à y payer une activité pour sa fête. Une activité à l'arcade, je pense, à Québec. Puis ça se pourrait être aujourd'hui à 1h30, 2h. Fait que c'est ça. Ça doit se faire pour nous chercher vers midi. Mais elle était pas encore sûre. Mais elle peut pas annuler parce que. Sinon, elle a perdu son argent. Elle peut pas remettre. Parce qu'elle était quand même fatiguée. Puis là, c'est ça. Ses animaux, elle allait pas super bien. Puis ça la stressait. Mais Tofu, il avait l'air. Ben, c'est son lapin, là. Un petit lapin. Il avait l'air de prendre du mieux. Hier, il était coma. Il voulait pas manger. Mais elle a dit que là, hier soir, finalement, qu'il est retourné chez elle. Et il avait l'air mieux. Mais là, je sais pas, le matin, elle m'a pas donné de nouvelles, là. Fait que ça la tracasse, c'est sûr, là. Fait que c'est ça. Quand tu apprends l'air? Les petites shorts, ils achètent tout au Walmart, ils se font vraiment bien, là. Oh, t'es belle! T'es belle, ma fille! Prends l'air un petit peu! Oui! T'es cute! T'es cute! Là, il va falloir changer Kato, je me rends compte que sa couche a débordé. Il n'y a plus de problème d'urine, hein, Katia? On va aller changer le bébé, t'as ma boutique, mais là, il va falloir changer. On va mettre d'autres choses. Es-tu? Kato est changé! Wow! Belle fille! Elle fait bien. La robe, mais tu sais, elle est dure à mettre. Faut que je l'attache dans le dos. Mais elle fait bien, hein? Petit soulier rose. T'es belle, Katou! T'es cute! Que cute! Hey! Il est rendu 1h. On va essayer d'aller au camping, d'aller pour ça. On va aller voir ça, ce que ça a l'air. Fait que là, on change qu'elle se couche, puis on va aller voir ce que ça dit. Ah oui, tu vas essayer? Katou! Ouais. Tu vas essayer? Ouais! Bravo, Lika! Bravo, Lika! T'as réussi! C'est peur, hein? Tu le bousculais puis tu tournais! Hein? Mais tu l'as fait! Je suis fière de toi, raison! C'est vrai! Vas-tu la refaire? T'es rendu à l'envers. C'est vrai? Oui. Mais tu la feras pas? Tu tournais de même. Je vais la refaire, mais. Ah ouais? Ah, c'est dangereux. Quand tu sais pas au début, c'est vrai que c'est peurant, hein? Hein? Ah, Katou, tu fais ta petite fragile, toi. Ah, Katou. Bien, t'as fait. Tu en prends, il y en a beaucoup. Non, merci, t'es gentil. Oh.
14. Ouais, ils sont pas là, je vais recevoir les cas. Ouais. Yeah. Oh, oh, let's go. Ah, c'est bon pour moi. C'est moi qui vais te prendre, c'est moi de le faire. Ah, c'est bon pour moi. Katia, tu veux te gobeler? Fais donne. Fais donne. Te gobeler? Donne. Donne. Fais donne. Ouais, tiens. Belle fille. Hey, petit cœur à maman. C'est beau. T'en mets où là? Il l'a eu, je pense. Il l'a eu. Mais oui. T'en veux-tu? Non, c'est vrai, t'en veux-tu? Non. Non, merci. T'en veux-tu, toi? Non, t'es trop fine. T'as-tu bu ton gobelet avec tes médicaments? Il en reste plus 20 bains. Oh, t'es fine! T'es donc bien fine! Un Katou! Oui! Bon, Katou vient de prendre un beau bain, laver le visage, brosser les dents. Puis la grande réussite, c'est qu'elle avait bu, ses médicaments dans son gobelet. Full contente. Hein? C'est cool, la Katou, hein? Ça va bien? Ça va bien? Là, je pense qu'on va essayer d'aller marcher. Aimerais-tu aller marcher? Hein? Où tu vas, là? Qu'elle voit, la chérie? Ouais. Non, là, tu viens d'y aller. Non, non, non. Non. Parce que ça vient d'y aller dans le bain. Non. On a soupé, ça fait pas longtemps. C'était bon, là. Mon chien a fait des courtes levées sur barbecue avec des frites par ton rouge. Puis moi, j'ai fait cuire du brocoli. J'ai fait chauffer des légumes dans le poêle. C'est tellement bon quand je fais ça. Je prends du piment rouge, du piment vert, concombre, tomate, épinard. Je fais
revenir ça dans le poêle avec du sel poivre et des épices grecques. Puis ensuite, je rajoute du fromage feta que je laisse fondre. C'est tellement bon, là, ça n'a pas d'allure. Fait que notre soupe était vraiment bon. Lucas, il vient tellement sec au clavier, là. Fait qu'on a mangé. Eux, les gars, sont partis chez Pam, voir Fidji, puis le Fluffy. Puis après ça, il allait jouer au basket avec Seb, puis John. Nous, ben là, on vient de souper, ramasser, donner le bain à tout. Là, on va essayer d'aller marcher, je pense, un petit peu. Mais je vais vous raconter après-midi, ça a été vraiment le fun. Aller au camping, la vallée Beauceron, là, c'est vraiment le fun. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. On aimerait vraiment y retourner en semaine. Il resterait d'avoir moins de monde. Tu sais, quand on aimait faire ça, faire du pédalo. Les piscines étaient toutes remplies. Mais on a réussi à. Lucas s'est baigné en masse, là, il capotait. Et lui, il est tout de suite allé sur le plongeon, puis il sautait. J'ai dit, quand il est game, c'est pas long. Il a jamais fait ça, puis il est allé faire ça, lui, du premier coup. Je le trouve bon. Puis ça tenait bien l'après-midi pour vrai. Fait que là, après ça, j'ai dit à ça, je disais, t'as combien ta piscine? Elle dit à 83. Fait que là, on a décidé d'aller. J'ai dit, ça dérange ça, on va se baigner? Elle dit, ben non. Fait que là, on est allé se baigner. Puis ça a été. C'était vraiment cool, là. Même quand elle s'est baignée, puis elle trouvait bonne à marcher toute seule en piscine. Elle s'agrippait pas après nous comme elle faisait d'habitude. Puis la température de la piscine de l'eau était parfaite, elle était 83. Fait que Kato, elle était 83. En tout cas, on a eu une belle journée. Là, on est revenu ici, c'était 5h30. Puis là, ben, c'est sûrement enclenché pour faire souper Katia, qu'elle a bien mangé. J'avais de la salade de macaroni, mais elle n'a pas voulu. Finalement, elle a mangé deux beurre au de pinot, puis la crème fouette aux fraises. Puis, qu'est-ce qu'elle a pris d'autre, donc? En vrai, j'essaie des raisins. Là. Peut-être qu'elle a mangé des raisins. Ouais, je pense que je vais essayer des raisins. Mmh. Hier, elle a mangé full des raisins, elle aimait ça. Mmh. Et puis, je vais vous dire d'autres, donc. Ah, ben là, le lapin à sable, il a repris du mieux, puis ça était beau, là. On sait pas trop ce qu'il y a eu, mais il allait bien aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous raconter, mais en tout cas, c'est vraiment le fun. Ça coûte 10$ par personne rentrée, mais t'as accès à tout, là. T'as accès à toutes les piscines, le lac, les glissades. Ah, même Lucas, ça, il a glissé dans une grosse glissade, là. En tout cas, fait que c'est ça. Je vous reparle. C'est super.